allez bien? Aujourd'hui, on est vendredi 3 juillet. C'est les vacances pour les enfants. La 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 la. Et pour les parents, c'est plus les vacances. Lol. Bref, passons. Donc aujourd'hui, on est vendredi 3 juillet. Là, il est midi 52. Je n'ai pas vlogué avant puisque ce matin, j'ai fait le ménage. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai aussi fait la douche des chiens. Donc de Doug et de Ruben. Donc ils sont tout propres. Mais alors Doug, quand on le lave, ça devient un chantier dans la salle de bain. Parce qu'il perd tellement ses poils. Et qu'un chien, quand tu le mouilles, il se secoue comme ça. Voilà. Il en fout absolument partout sur le carrelage, sur les meubles, sur la machine à laver, sur... partout, 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 voilà. Donc il faut le laver, déjà ça prend beaucoup de temps, après il faut le brosser pour enlever tous les poils. Il faut le rincer, le sécher un maximum pour recueillir le minimum de poils qui se barrent quand il va se secouer. Et après il se secoue, ils font les fous du coup. Il se secoue, il faut que je nettoie toute ma salle de bain. Et après, il a fallu que je lave Ruben. Mais bon, Ruben, en 10 minutes, c'est calé. Je le lave dans l'évier de la salle de bain, dans l'évier de la cuisine. Et hop, en 10 minutes, c'est calé. Mais c'est pareil, après, il me retrempe la maison partout. Il y a des poils partout. Bref, du coup, il faut tout que je repasse l'aspi, etc. Et après tout ça, il faut que je les sorte parce qu'ils ont envie de pisser du feu de Dieu. Voilà. Donc, je les ai sortis. Je leur ai donné leur petite récompense parce que Doug, il est habitué que quand il fait sa petite douche comme ça et qu'il bouge pas comme là et qu'il se laisse faire et qu'il me laisse le brosser l'arrière-train. Vous savez que Doug, il est très fragile de l'arrière-train en vue de sa vie d'avant où il était maltraité, etc. Il est très fragile de l'arrière-train et là, il a absolument rien dit que je le brosse, que je le frotte et tout. Il a rien dit. Donc, il a eu le droit à sa petite récompense. Ruben aussi. Donc, du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Sachant que en plus de ça, Sarah et Roxane ont également fait leur petite douche. Donc autant vous dire que ma matinée est passée à une vitesse folle. Donc là il est quand même bientôt 13h. Donc je vais m'affairer à faire à manger maintenant que tout le ménage est fait et que les chiens sont propres. J'ai même mis le panier à Ruben à laver. Et mais ça suffit. Ils sont complètement tarés depuis que je les ai lavés. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Hein? Qu'est-ce qu'il fait Ruben? Il fait le foufou? Oh. Mais on comprend rien avec ta titina. Tu sais ça? Bref, donc du coup, je vais aller faire à manger. Je vais éternuer. À mes souhaits. Donc je vais aller faire à manger à midi. Normalement, c'était la poêlée campagnarde, mais il fait chaud dehors, il fait lourd. Je vais encore éternuer. Ouais, ça sent le chien mouillé, je suis d'accord, ma poule. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Donc du coup, à midi, c'était la poêlée campagnarde, normalement. Mais il fait lourd dehors, il fait chaud, etc. J'ai pas envie de manger ça, donc je vais faire les cornets de jambon qu'on n'avait pas encore fait. Après, il faudra également que je fasse ma douche et que je fasse la liste de courses. Puisqu'il est déjà 13h, le temps que je fasse à manger, qu'on mange, je compte bien 14h. Le temps que je fasse ma douche, 14h30. 14h30, ouais. Et après que je fasse la liste de courses, voilà, Mathieu devrait pas tarder à arriver vu qu'il arrive à 16h30. Donc, faudrait peut-être que je m'active. Hein. C'est pas comme si que j'avais rien fait ce matin, mais il faut que je fasse les choses d'aujourd'hui. J'ai toujours pas posté mon post Instagram, j'ai toujours pas fait de story. J'ai juste validé vos commentaires, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Bref, c'est la course aujourd'hui. Bon, post Instagram fait. Story Instagram faite. Réponse aux commentaires fait. Donc là je vais redescendre toutes mes poubelles, etc. Et puis je vais aller faire à manger. Parce que sinon les petits ogres ils vont commencer à me dire là on a faim, voilà. Donc je finis de ranger ça. D'ailleurs il faut que j'enlève les poils là, parce que comme j'ai lavé Ruben, j'attendais que ça sèche. Il y a encore plein de poils dans mon évier. Tout va bien. Bon allez, on va préparer à manger. Thank you.
14h20, on a fini de manger avec les filles. Ruben aboie alors qu'il est là. Je veux savoir ce que t'as. Ça suffit. Ah, je sais, il est jaloux parce que je viens de faire un câlin à Doug. Bref, passons. Donc, du coup, là, oh, les poils. Les filles sont en train de jouer. Roxane, elle est là sur le canapé. Et moi, je suis en mode café. Bon, les amis, Mathieu est rentré. Du coup, on va aller chercher le pneu de la caravane. Il faut qu'il passe un truc d'informatique. Et après, on va faire les courses. Il est en train de mettre les filles en voiture, là, juste derrière moi. Et du coup, moi, je vais voir au courrier parce que c'est ma mission du jour. Voilà. Les amis, 19h, truc de fou. Mathieu a été récupéré le pneu pour la caravane, c'est bon. On a fait les courses aussi, il y avait un monde de fou, c'était fou. C'est le mot du vlog, fou. Voilà. Du coup, il est 19h, donc là, il faut que je fasse le retour de course à cette heure-là. Je suis ravie. Et après, il faut qu'on prépare à manger, etc., etc. Heureusement, demain, on est samedi. Heureusement. Oh là là, le dieu. Maintenant qu'on est arrivé à la maison, il faut retirer toutes les courses du coffre qui sont en train de tomber. Mais moi, il n'y a plus rien. Attention à ta tête, ma poule. Et il faut faire le retour de course, les amis. Comment ça se fait que la soirée, elle est passée aussi vite? Bah oui, je t'ai dit. Oh, mon bébé, tu t'es cogné? Bah oui, elle avance au moment où j'ouvre le coffre. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, tu te fais mal. Fais voir si t'as un bibi. Viens, je vais te faire un bisou magique. Attendez, je regarde mes cailloux. La passion de Roxane, les cailloux. Retour de course, tournée, les amis. Il est 8h moins le quart. On est ravis, les amis, ravis. Bon, je vais ranger tout le bazar là. Et puis on va préparer à manger. Et puis ça aurait été une bonne grosse journée aujourd'hui. Une bonne grosse journée. Se fait-il? Il est 10h. On a fini de manger. J'ai fait la vaisselle avec Mathieu. On a rangé la cuisine. J'ai même lavé. Comme ça, on est tranquille pour demain. La cuisine est rangée. J'ai fait du ménage nocturne. Voilà. là, Mathieu, il est en train de jouer un petit peu à la PS. Et moi, du coup, je vais aller monter mon vlog tranquillement. Mais va falloir que je mette mes lunettes et tout, parce que j'ai mal au crâne ce soir. Je suis fatiguée. De toute façon, quand Mathieu est arrivé, il l'a vu à ma tête. Il m'a dit oula. Voilà. Donc, je suis un peu fatiguée. Tout à l'heure, je m'endormais à moitié sur le canapé. Donc, du coup, là, je vais monter le vlog et puis on va pas se coucher trop tard ce soir. Je pense que ça va me faire du bien de dormir un peu. Surtout que demain, on va pas se lever trop tard parce qu'il faut qu'on balaye. Et s'ils sont sales, qu'on lave les tapis de sol qu'on met dans le auvent, dans la caravane. Et Mathieu sait à quel point ils sont grands. 2 mètres sur 3 mètres au moins, non? Oh oui, facilement. Ils sont super grands. Donc, comme l'année dernière, on a replié sous la pluie. Les tapis de sol, ils étaient à même la terre, quoi. Enfin, il y avait les bâches, mais bon. Ouais, mais... Voilà, quoi. Bref. Donc, du coup, faut qu'on enlève la terre, vu qu'elle a dû sécher depuis. Faut qu'on balaye la terre, etc. Mais si ça s'en va pas, faut qu'on les lave et qu'on les fasse sécher dehors. Mais c'est hyper lourd déjà, ouais, sec, ouais. Alors mouillé. Oh, puis il faut que ça ait le temps de sécher. Donc, on veut s'y mettre demain matin pour qu'au grand max, dimanche soir, ça soit sec, quoi. Ouais. Donc demain, du coup, on se lève pas trop tard. Je pense qu'à 8h, on va être debout demain, je pense. Pour qu'on aille le temps de faire tout ça. Donc voilà. Donc. Donc je vais aller monter mon vlog. Et puis, on se retrouve après pour clôturer le vlog. Papa, t'es entouré de filles, là, ce soir. Mais je suis tout le temps entouré de filles, hein, en règle générale. Bon, quelle heure il est? Il est 22h20. Du coup, moi, j'ai monté le vlog. Ça a été plutôt rapide puisque c'est un petit vlog. D'une, parce que aujourd'hui, c'était une journée. Voilà, j'avais beaucoup de choses à faire à la maison. Mais bon, je vais pas vous filmer constamment le ménage répétitivement. C'est toujours la même chose. Donc, je vais pas vous vloguer encore et toujours le ménage. Après, dans les magasins, c'est pareil. Je sors pas la caméra et je filme pas tous les gens. Sinon, oui, il faudrait qu'on floute chaque personne qui croise l'appareil. Ça serait compliqué, donc voilà, ça fait que j'ai pas tout le temps la caméra à la main. De deux, j'ai pas vlogué énormément, mais c'est pas grave puisque en même temps que ce vlog, vous avez le retour de course, donc les deux cumulés, ça vous fait quand même une bonne moyenne. Un bon contenu. Voilà, un bon contenu. Et de trois,
Je pense que les prochains jours seront des petits vlogs de toute façon, puisque on arrive, bah on est début juillet, mais qu'on approche grandement du 7 juillet et que le 7 juillet l'année dernière était une journée très noire pour moi puisque c'est la date du décès de ma maman. Donc je ne veux pas de commentaires du genre « Ah, ton vlog il était trop petit, moi j'aime pas ». C'est pas le moment, clairement c'est pas le moment. Il y a des moments où j'ai des moments de bas, hein. Mathieu peut vous le dire, oui, c'est pas parce que je le montre pas à la caméra que j'ai tout le temps le smile. Non, le début juillet c'est jamais une période facile, le 7 sera encore moins évident, même si je sais que j'ai fait le deuil de ma maman, etc., et de mon père aussi, mais ça reste encore tout récent, ça ne fait qu'un an, et que quand je repense à l'année dernière, à cette période-là, voilà. Oui, ben forcément, oui, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, donc probablement que les prochains vlogs seront des petits vlogs où ne vous inquiétez pas si j'ai pas tout le temps le sourire ou si j'ai l'impression, si on a un chien à aboyer ce soir comme ça. Oui. Si si vous avez l'impression que je suis fermée, c'est pas spécialement que je suis fermée, c'est juste que j'ai un peu la tête ailleurs. Voilà, tout simplement. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, Sarah, farfouiller? Bah. Devine qu'est-ce qu'elle fait. Ah, elle cherche son pet shop parce qu'aujourd'hui elle a été chercher un pet shop avec son petit argent de poche. Donc la dernière fois, c'était le mois dernier, je crois qu'elle avait. Ouais, je crois. Elle avait. S'était acheté un petit pet shop et elle avait eu un espèce de. Cochon. Non, moi je dis que c'est un hippopotame. C'est ce que j'avais dit. J'arrive pas parce que en fait Sarah elle est dans le truc et moi aussi. Voilà. Donc, elle avait eu un truc de ce genre, voilà. Et du coup, là, je suis floue, du coup. Ouh, voilà. On va attendre que papa le trouve. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, elle s'en est racheté un avec son petit peu d'argent de poche qu'elle a. Et elle a eu une petite tortue. Donc, on a pensé à Tata. Qui aime les tortues? Oh, pardon. Qui aime les tortues? Volante, Tata Nathalie. Tata Nathalie, elle aime les tortues. Donc la tortue, elle s'appelle Nathalie. C'est moi qui ai décidé. Et quand elle regardera ce vlog, elle aimera bien. Voilà, quand elle regardera ce vlog, elle aimera bien. Bon voilà, c'était la petite dédicace de Sarah ce soir. Sinon, du coup, Mathieu est en train de monter le hall course, comme ouais, à chaque fois, parce que c'est toujours Mathieu qui fait les hall courses. C'est mon boulot. Et heureusement, parce que je déteste faire ça, voilà, moi, Mathieu, j'adore. Il aime bien, donc voilà, chacun son petit boulot. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va aller coucher tout ce petit monde, et puis on va aller se pieuter, parce que comme je vous ai dit, je suis fatiguée. Et voilà, j'ai envie de me reposer, et je pense que Mathieu aussi. Voilà. Parce donc, que la fin d'année. Ouais, elle est dure la fin d'année. Dure, là. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. J'espère pour vous et j'espère pour moi que demain le vlog sera. Avec un peu plus de contenu. Un peu plus de contenu, un peu plus de. D'entrain, parce que là j'ai l'impression d'être comme ça, mais bon, demain Mathieu est là, c'est différent, et puis on va avoir plein de choses à faire demain. Oui, puis moi dans ce genre de cas, comme je fais plein de bêtises, ça comprend. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, bref. On va vous laisser là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur le lien YouTube qui est juste en dessous de cette vidéo. Oh, Sarah, tu suis pas. Ouais, je suis plus rapide, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire les abonnés? Ils doivent abonner. Ils doivent liker. Ouais, et ils doivent commenter. Ouais, bravo, c'est bon, t'es prête à être youtubeuse, ma poule. Non. Non, même si j'ai dans le miroir un rappel. attention. Dans le miroir à Raphaël, oui. Raphaël a fait comme si. A fait comme si. A vidé. C'était une caméra. Ah, vous faites semblant de faire des vlogs non, devant c'est la Raphaël. Caméra. Ouais, toi aussi, je t'ai entendu ce matin. Non, c'est Raphaël. Tu disais coucou, n'oubliez pas de vous abonner. Non, c'est pas Raphaël, c'est Raphaël, bon. Elle imitait ma voix. Mais tu... Non, la menteuse, vous avez joué toutes les deux, j'ai entendu. Là, c'est quoi de vlogger? Les enfants veulent vlogger. Calme-toi, c'est bon, on a compris. Ah, je vous jure, donc voilà pourquoi on va aller coucher tout ce petit monde, ouais. Parce que ça s'excite grandement.
Donc on vous dit à demain, on vous fait tout plein de gros bisous et encore merci à tous d'être là et merci de commenter toujours avec bienveillance, j'ai envie de dire, et avec douceur. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.